Mon nom est Julie Dubois et au nom du comité organisateur de la cérémonie de remise des diplômes 2023, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au Cégep de Drummondville. Chers parents, chers amis, chers partenaires et collègues du collège, merci d'être présents pour souligner les efforts et le succès de nos diplômés. Nous sommes très heureux de pouvoir vivre ce moment en votre compagnie. Plusieurs sont également avec nous en ligne par le biais du compte YouTube du Cégep. Nous les saluons. Dans quelques instants, nous accueillerons nos étudiants et étudiantes. Maintenant, si ce n'est déjà fait, je vous prierai d'éteindre vos téléphones cellulaires et ce, par respect pour nos diplômés et nos artistes. Pour les parents qui souhaiteraient immortaliser ce moment, une zone photo est accessible en bas de la scène, juste devant moi. Si vous désirez vous y poster, prière de respecter le périmètre et d'éviter de gêner la vue des autres spectateurs. Notez que toutes les photos officielles de l'événement seront mises en ligne sur la page Facebook du Cégep de Drummondville. Un décor de circonstance a aussi été mis en place à la cafétéria pour la prise de photos avec les diplômés à la suite de la cérémonie. Finalement, je vous invite à repérer les sorties d'urgence les plus près de votre siège. Il y en a également derrière la scène. Si une évacuation devait survenir, nous vous prions de rester calme et de quitter le gymnase sans délai. Ces considérations techniques étant terminées, débutons sans plus tarder la cérémonie. Sur un air composé spécialement pour la cérémonie de remise des diplômes du Cégep de Drummondville par l'un de nos enseignants du département de musique, M. Sylvain Marcotte, accueillons chaleureusement nos diplômés 2022-2023. Thank you.
before. Call this place my home. Never gonna fight anymore. Ici, je suis libre de m'afficher. J'ose créer ma propre identité. Qu'on soit artiste, sportif ou scientifique, nos ambitions sont sans limite. On réinvente le monde et on se dessine un avenir meilleur. Drummond, c'est ma place. J'y vis ma passion et je donne mon 110%. Ici, on se reconnaît, on s'entraide. Des amitiés y sont gravées. Mon parcours est unique et j'en suis fier. Je me donne les moyens à la hauteur de mes ambitions. Ce que j'apprends me suivra toute ma vie. Choisis mon avenir. Authentique, humain, différent. Ici et maintenant. Fier d'être Cégep Drummond. Ça donne le ton. Bonjour, bienvenue, chers diplômés. Re-bienvenue chez vous. C'est ça, le Cégep Drummond, hein? On l'a vu. Une belle fierté partagée. Et aujourd'hui, de vous voir en si grand nombre, vêtus de toges et de mortiers, ça nous rend vraiment, mais vraiment très, très fiers d'être Cégep Drummond. Permettez-moi de souligner la merveilleuse prestation conjointe de nos étudiants des programmes de musique et de danse pour ce numéro d'accueil qui prouve encore une fois que le Cégep de Drummondville foisonne d'artistes aux talents remarquables. Voici... Oui, oui, ça mérite une main d'applaudissement. Je vous explique comment va se dérouler la cérémonie d'aujourd'hui. Nous ferons d'abord l'appel des diplômés par programme. Vous serez ensuite appelés à monter un à un sur la scène pour recevoir votre diplôme. Notez qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 200 diplômés des secteurs techniques et de la formation continue présents ce matin. C'est une assistance record. Bravo! Lors de la deuxième partie de la cérémonie, nous prendrons quelques instants pour rendre hommage aux diplômés qui se sont particulièrement distingués au cours de leur passage chez nous. Alors, sans plus tarder, j'invite le directeur général du Cégep de Drummondville, M. Pierre Leblanc, à vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Peut-être que j'aurais pas dû toucher à ça. Alors, chers diplômés, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes. Vous avez dû faire preuve au cours des dernières années d'une grande discipline et d'une volonté de faire pour relever les défis qui se sont présentés sur votre route. Pensons-y un instant. Vous aviez en moyenne 32 heures de cours et de labo atelier par semaine. À cela, on ajoute une vingtaine d'heures de travaux personnels, sans oublier les obligations familiales, les activités parascolaires,
les amis, les amours et le travail pendant les études. Ça fait combien d'heures au total par semaine, par mois et par année? Ouf! Compter le tout donne le vertige, certes, mais cela nous indique à quel point vous avez fait preuve d'une immense persévérance. Bravo, vous êtes toutes et tous admirables. Aujourd'hui, vous avez réussi. Vous voilà diplômés et vous avez toutes les raisons du monde d'en être totalement fiers. Aujourd'hui, toutes les avenues vous sont ouvertes, tous les espoirs vous sont permis. Et à vous donc, nous célébrons la réussite. Je vous prie d'accueillir 3 vœux. Le premier, changer le monde. Prenons quelques secondes pour réfléchir à notre avenir collectif. Pour ce faire, prenez le temps de regarder vos voisins du côté gauche. C'est toujours beau à voir les gens qui font. Du côté droit, devant vous, derrière, et posez-vous les questions suivantes. Qui parmi les personnes que vous regardez contribuera à changer le monde? Qui le rendra meilleur? Eh bien, dans cette salle se trouvent des diplômés qui sauveront la vie de personnes vulnérables. Dans cette salle se trouvent des personnes qui, pendant leur carrière, permettront à des milliers d'enfants et d'adolescents d'envisager un avenir meilleur. Dans cette salle se trouvent des personnes qui développeront des systèmes mécaniques et logistiques performants, des algorithmes bienveillants et des entreprises éthiques axées sur le bien-être collectif et la sauvegarde de notre planète. Par votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être, vous êtes en mesure de changer le monde, de le rendre meilleur, plus juste, plus équitable, plus éco-responsable. Alors, sans hésiter et surtout sans vous gêner, changez le monde. Mon deuxième vœu est l'audace. Vous avez reçu de la part de la grande famille du collège, des équipes de soutien et professionnels, de vos profs, de vos amis et de votre famille, tout ce qu'il faut pour aller au-delà de vos rêves. Pour y arriver, ça prend de la persévérance, certes, mais aussi beaucoup d'audace. Parce que vous êtes la génération montante, il ne faut pas hésiter à remettre en question les postulats du passé et d'avancer en confiance. Goethe a dit, « Quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Mon troisième vœu, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissant et reconnaissante. Pour le reste de votre vie, je vous prie de ne jamais oublier les personnes qui vous ont aidé à réussir. Vous êtes ici aujourd'hui parce que des gens ont cru en vous, ont cru en votre talent, en votre persévérance. C'est pourquoi je vous invite maintenant à vous lever debout pour offrir de chauds applaudissements à vos parents et amis qui nous regardent via Internet, aux équipes du collège qui vous ont accompagnés tout au long de vos études et, bien entendu, à vos profs qui ont changé vos vies. Ça vaut bien une ovation. Il m'importe maintenant de remercier la communauté socio-économique de Drummondville. Merci aux élus, merci aux donateurs et à la Fondation. Merci de croire en notre institution et de nous appuyer dans nos travaux visant à nous donner les moyens de nos ambitions. Chers diplômés, en terminant, que vos idées, vos actions et vos réalisations fassent rayonner le cégep de Drummondville, votre alma mater. Félicitations et bonne cérémonie. Merci beaucoup, M. Leblanc. Cédons maintenant la parole à notre directeur des études, M. Mario Carrier, et à Mme Lucie Marchessault, directrice à la direction de la formation continue et des services aux entreprises.
Merci. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, excusez, je vais tourner la page. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie organisée en votre honneur. On veut aujourd'hui, avec cette remise de diplôme, souligner votre persévérance, votre capacité d'adaptation et votre courage. Vous pouvez être fiers de votre réussite et toute la communauté collégiale est heureuse d'être ici pour le souligner. Vous êtes maintenant des finissants et des finissantes du Cégep de Drummondville. Bravo. Votre diplôme a beaucoup, beaucoup de valeur. Vous allez le constater dans les prochains mois et les prochaines années. Mais combien ça vaut, ça, un diplôme du Cégep? Je vais vous donner quelques chiffres, quelques données. Actuellement, au Québec, 3 emplois sur 4 sont occupés par un employé qui possède au moins un diplôme du collégial. Donc, c'est sûr, votre diplôme vous ouvre des portes. C'est une certitude. Mais plus précisément, au centre du Québec, c'est seulement 66 % de la population entre 25 et 64 ans qui possède un diplôme postsecondaire. Donc, votre diplôme au cégep dans la région de Drummondville a encore plus de valeur quand vous travaillez ici même, dans notre région. J'ajouterais qu'en 2022, au Québec, 53 % des jeunes entre 15 et 29 ans n'étaient pas aux études. Donc, la pénurie de main-d'œuvre rend le marché du travail attrayant. Mais vous, en 2022, vous avez fait le bon choix. Vous étiez aux études, parce que vous êtes aujourd'hui des finissants et des finissantes, donc vous ne faites pas partie de la majorité qui n'était pas aux études. Et parce que vous avez privilégié vos études, vous serez récompensé pour vos efforts. Donc, en réussissant votre programme d'études, vous contribuez à votre succès, à votre bien-être et à votre bonheur, mais aussi au développement socio-économique de notre belle région. Vous le verrez, beaucoup d'entreprises ont besoin de vos compétences, de vos talents, de votre intelligence et de votre créativité. En préparation à la cérémonie d'aujourd'hui, on nous a appris, pas plus tard qu'hier, que c'était en fait 760 diplômés qu'on a eu pour l'an passé, incluant 100 diplômés à la formation continue. Donc, c'est vraiment toute une réussite. C'est 111 diplômés de plus que l'an passé. C'est vraiment extraordinaire. Mais je vous ai donné des chiffres, mais la valeur, ça ne se compte pas seulement en chiffres et en données. Ça se compte, je le dirais aussi, avec le cœur et en qualité humaine. Donc, avec votre diplôme, vous êtes de meilleurs citoyens, de meilleures personnes capables de jugement et de sens critique, des personnes capables de redonner au suivant et à la communauté. Le directeur général, Pierre Leblanc, est un ancien prof de philo. Ça paraît pas comme ça, là, mais oui. Moi-même, j'ai... Moi... J'entends des gens rire à l'arrière. Moi-même, j'ai enseigné à la littérature pendant 10 ans. Ce que je veux vous dire, parce que vous avez réussi votre programme préuniversitaire ou technique, chacun de vos cours de philo, chacun de vos cours de français, chacun de vos cours de langue, chacun de vos cours d'éducation physique, et bien sûr, tous les cours de votre programme, cela vous prépare à être un acteur de changement. Que ce soit par du bénévolat, de l'implication communautaire, de l'entrepreneuriat social ou par tout autre moyen que vous inventerez, vous avez des convictions et le pouvoir de changer le monde. Votre réussite n'aurait pas été possible sans la qualité de vos apprentissages et de l'enseignement que vous avez reçu. Donc, je veux terminer cette allocution en remerciant les 270 enseignants et enseignantes que vous avez eus pendant votre parcours au Cégep. C'est le nombre d'enseignants qui enseignent au Cégep de Drummondville. Ils ont agi avec cœur et bienveillance, ils vous ont soutenu et encadré, ils vous ont propulsé dans l'univers des possibles. Donc, à tout le personnel enseignant, devant cette magnifique cohorte 22-23, vous pouvez vous donner une tape sur l'épaule et dire « mission accomplie, vous avez fait du très, très bon travail. Bravo! » Mais je veux également souligner tout le travail immense du personnel qui œuvre dans les différents services à l'étudiant. Vous les avez côtoyés.
donc les aides pédagogiques individuelles, le personnel au service adapté, les techniciens en travaux pratiques, les gens du service de la bibliothèque, le registrariat, les conseillers en orientation, les psychoéducateurs, le service des sports, le service de l'animation culturelle, le Carrefour Éduc Santé, la zone numérique, et je dois encore quand même en oublier malgré tout ça. Donc, plus que jamais, le cégep de Drummondville est un milieu de vie accueillant et soutenant pour tous les étudiants. Profitez de cette cérémonie pour recevoir les félicitations de ceux et celles qui sont présents ou qui vous attendent à la maison. C'est pleinement mérité. Donc, félicitations pour votre réussite et votre persévérance. N'oubliez pas, ce diplôme vous ouvre beaucoup de portes qui peuvent toutes devenir des opportunités. Bravo. À mon tour de vous saluer. Bonjour à vous toutes et à vous tous. La ligne d'arrivée. Dans le dictionnaire, on la décrit comme une ligne physique ou virtuelle marquant la fin d'une course ou d'un parcours. Ça ressemble pas mal à ce que vous devez ressentir aujourd'hui en venant chercher votre diplôme. Après des mois de cours, de lecture, de travaux, de rencontres d'équipe, de questionnements, de préparation, d'examens, de travaux, de défis d'organisation pour trouver le temps et l'énergie nécessaires pour étudier, et ça, entre votre vie personnelle, votre vie familiale, votre emploi et toutes les autres sphères de votre vie, vous y êtes arrivé, sain et sauf, puisque vous êtes là. Alors, pour les étudiants adultes, que vous soyez diplômés de la formation continue ou de la formation régulière, c'est un choix déterminant et exigeant que vous avez fait de revenir étudier pour obtenir un diplôme. Vous avez décidé de vous remettre à la tâche pour apprendre des choses différentes, et aujourd'hui, c'est tout un point tournant que vous franchissez. Vous savez, à la vitesse où le monde du travail évolue, avec l'arrivée à chaque année de nouvelles professions, de différentes spécialisations, se tourner vers un programme de formation continue, se remettre en mode apprentissage, c'est devenu de plus en plus fréquent et c'est souvent même nécessaire. Il est d'ailleurs fort possible qu'au cours de votre vie professionnelle, vous ayez à retourner plus d'une fois sur les bancs d'école pour vous spécialiser ou vous perfectionner. Les possibilités et les modèles de parcours d'études à tout âge évoluent sans cesse pour répondre à la réalité du monde du travail. J'ai le goût de vous parler d'un de ces parcours aujourd'hui, un parcours très individualisé, qui est offert à la clientèle adulte, c'est la reconnaissance des acquis et des compétences qu'on appelle entre nous l'ARAC. L'ARAC, c'est un cheminement structuré qui est officiel, au cours duquel des professionnels et des spécialistes de contenu accompagnent la personne adulte pour qu'elle démontre à son rythme et selon différentes méthodes ses compétences acquises au cours de sa vie et de ses emplois, mais qui sont en lien avec son programme d'études choisi. À la fin de ce parcours-là, le parcours est sanctionné par le même diplôme que celui obtenu à la suite de cours suivis en classe, que ce soit un DEC ou une AEC, une attestation d'études collégiales. Dans quelques minutes, quand les diplômés seront appelés à venir chercher leur diplôme, vous entendrez que certains d'entre eux, lorsqu'ils seront nommés, ont obtenu leur diplôme suite à l'ARAC. Alors, la fameuse ligne d'arrivée. En montant sur le podium tantôt, vous l'aurez entièrement franchi, cette ligne d'arrivée, celle de votre passage au cégep, qui a mené vers la réussite de votre programme d'études supérieures. Étant donné que vous êtes ici avec nous, c'est la preuve que vos efforts vous ont mené au succès, que vous avez dû faire preuve de persévérance, de détermination et possiblement, à certains moments, que vous avez ressenti du découragement. Vous vous êtes peut-être même dit « Mais qu'est-ce que je fais là? Dans quoi je me sens embarquée? » Mais vous avez réalisé que vous pouviez réussir. Mes collègues l'ont fait avant moi, tout le personnel du cégep, en commençant par vos enseignants, vos conseillers pédagogiques, tous les professionnels, le personnel de soutien et les gestionnaires, nous attachons une grande importance à vous accompagner et vous soutenir vers la réussite. Donc, peu importe votre âge, votre situation personnelle, que vous ayez eu un parcours plus linéaire ou que vous ayez fait le choix et eu le courage de revenir faire une nouvelle formation, vous êtes arrivé à destination. Aujourd'hui, nous vous souhaitons de mettre à profit tout ce que vous avez acquis, de le transformer en succès personnel et professionnel, en plaisir et en réalisation. En fait, à cette ligne d'arrivée, aujourd'hui, j'ai le goût de vous citer un proverbe irlandais. « Mangez bien, riez souvent, aimez beaucoup, autrement dit, profitez pleinement de la vie. »
Merci. Merci beaucoup, M. Carrier, Mme Marchessault. Je vous invite à revenir sur la scène et j'invite d'ailleurs Mme Maryse Boucher aussi à vous accompagner, directrice adjointe aux études, pour procéder à l'appel officiel des diplômés par programme. J'invite également M. Pierre Leblanc, directeur général, pour le geste symbolique de diplomation. Chers amis, bien que nous débordions tous de fierté, nous vous prions de garder les applaudissements pour la fin de chaque programme et ce, afin de conserver un bon rythme. Diplômés, vous pouvez quitter par la descente juste ici. N'hésitez pas à saluer vos comparses, vos enseignants, les gens à la maison qui sont avec nous via le compte YouTube. C'est votre moment. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Maryse Boucher. Je suis directrice adjointe des études. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous pour marquer ce moment essentiel de célébration de la réussite. Débutons tout de suite avec la première remise des diplômes. J'aimerais inviter la cohorte de soins infirmiers à monter sur scène en compagnie de ses représentantes, Mesdames Lynn Fauché et Chantal Marois. Les premiers diplômes en soins infirmiers seront donnés par Mme Lynn Fauché. Alors, j'appelle Méliade Ali. Hugo Blanchette. Liana Boisvert-Terrien. Megan Boucher. Amélie Bourgeois. Coralie Charland. Naomi Côté. Sabrina Desjardins. Émilie Dionne. Marie-Lie Fournier.
Caroline Giguère. Léa Annie. Jessica Lépine. Patricia Mador Guérin. Anne-Sophie Vachon. Le DEC intensif en soins infirmiers, Mme Chantal Marois remettra les prochains diplômes. Karen Banfil. Cassandra Blouin. J'aime. Félicitations aux diplômés en soins infirmiers. Maintenant sur scène la cohorte de l'AEC en gestion de résidence pour personnes aînées et vulnérables, ainsi que sa représentante, Mme Rosalie Lacasse. Shirley Aristide. Sandra Asselin. Rolande Beaubrun. Geneviève Bélan. Nathalie Boisclair. Geneviève Bolduc. Dubois.
James Durocher. Kerline Joachim. Charles-Henri Lanoux. Linda Larivière. Marie-Jésula Pierre. Rose Sainte-Marie. Applaudissons chaleureusement les diplômés en gestion de résidence pour personnes aînées et vulnérables. Passons maintenant à la remise des diplômes du programme Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment. Cette cohorte reçoit également la certification TIC. J'invite donc à monter sur scène la cohorte du programme ainsi que sa représentante, Mme Nadine Bernier. Les premiers diplômés en technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment ont complété la spécialisation en estimation et en construction. Simon Mathieu. Kim Parenteau. David Pétrin Coutu. Les prochains diplômés ont complété la spécialisation en évaluation immobilière. Marc-Antoine Larouche. Kelly Mayou. Kelly a été récipiendaire de la bourse Distinction en anglais lors du Gala Reconnaissance étudiante 2022. Les prochains diplômés en technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment ont complété les deux spécialisations, soit en estimation et en construction et en évaluation immobilière. Samuel Boucher-Blais. Camille Brisebois-Belleval. Nicolas James Kaya. Charles Deblois.
Fournier. Édouard a été nommé personnalité étudiante en estimation au Gala Reconnaissance étudiante 2023. Jessie Germain. Mégane Girard. Mégane a été nommée personnalité étudiante en évaluation au Gala Reconnaissance étudiante 2023. Ashley Rouillard. En plus d'avoir complété les deux spécialisations, soit en estimation et en construction, ainsi qu'en évaluation immobilière, le prochain diplômé a également effectué l'AEC en inspection en bâtiment. Kevin Chartier. Félicitations aux diplômés en technologie d'estimation et d'évaluation en bâtiment. Remettons maintenant les diplômes du programme Inspection en bâtiment. J'invite cette cohorte ainsi que M. Arnaud Boll, représentant du programme, à monter sur la scène. Kevin Alexandre. Miguel Hernán Guevara Rodriguez. Jimmy Lessard. Ariane Lévesque-Lincourt. Bravo à tous les diplômés en inspection en bâtiment. Passons maintenant à la remise des diplômes en technique de génie mécanique. J'invite à monter sur scène cette cohorte ainsi que le représentant du programme, M. Éric Bédard. Pour la remise du premier diplôme, je demanderai à Mme Nadine Bernier, enseignante au Cégep, à remettre le diplôme à son fils, Benjamin Roy. Rémi Bégin. Julien Béliveau. Kevin.
Kevin Cournoyer-Nogue. Justin Desbois. William Forcier. Philippe Gariepi. Jimmy Garot. Olivier Lessard. Francis Lucier. Offrons nos plus sincères félicitations aux diplômés du programme de technique de génie mécanique. Remettons maintenant les diplômes du programme technique d'intervention en délinquance. J'invite à monter sur scène la cohorte du programme ainsi que sa représentante, Mme Charline Paré. Jessica Auger. Rosemarie Beaulieu. Vanessa Bélanger. Kellyanne Bernier. Noémie Boucher. Thomas Brisson. Tiffany Caron. Virginie Côté. Marie-Lou Cournoyer. Antoine Cusson. Coralie Demers. Mélodie Dubé. Marie-France Geoffrion. Mathis Gosselin.
Félix Goudreau. Alexandra Grégoire. Alexandra a été nommée personnalité étudiante de son programme au Gala Reconnaissance étudiante 2023. Mélodie Harton. Jordan Langteau. Sarah Laperrière-Gélina. Christina Manikis. Sandrine Marsan. Florence Pruneau. Karine Valiquette. Combe. Laurence Vallée. Aux diplômés du programme technique d'intervention en délinquance. Passons maintenant à la remise des diplômes du programme technique d'éducation spécialisée. J'invite à monter sur scène la cohorte du programme ainsi que sa représentante, Mme Julie Huard. Alors, Josiane Desfossé. Mélissa Fortier. Karine Gariepi. Daniel Hugues. Leriève Jean Allard. Lacroix. Audrey Laflamme. Julie Laforme. Roxane Mathieu.
Mélissa Provencher. Charlotte Robichaud. Kayla Rodriguez. Caroline Schooner-Cormier. Roxane Saint-Onge. Mélinda Vachon. Toutes nos félicitations aux diplômés en technique d'éducation spécialisée. Pour la remise des diplômes en stimulation du langage en milieu éducatif, j'invite les diplômés à monter sur scène ainsi que la représentante du programme, Mme Anne-Sophie Dauzois. Amélie Dubé. Nancy Lemoine. Marie-Ève Morisseau-Guillot. Nathalie Smith. Toutes nos félicitations pour cette remarquable réussite. Remettons maintenant les diplômes en technique d'éducation à l'enfance. J'invite à monter sur scène la corps du programme ainsi que Mme Lise Proux et M. Daniel Masson. Les premiers diplômes seront donnés aux récipiendaires du DEC en technique d'éducation à l'enfance. Ils seront remis par Mme Lise Proux. Laurence Beauchemin. Brenda Bélanger. Marika Bergeron. Sarah Bouffard. Daphné Collard. Chloé Cournoyer.
Shelley Huot. Kéliane Lacharité. Myriam Landry. Kelly Lefebvre. Alison Levasseur. Cassandra Maillot. Catherine Ménard. Amélie Meunier. Laurie Page. Stéphanie Robidou. Lisa Royer-Mercier. Frédéric Tourigny. Pour le programme d'attestation d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance, M. Daniel Masson remettra les diplômes. Roselyne Bassé. Alison Beauregard. Maëlie Bellisle. Myriam Bernier.
Louise Desforges. José Desfossé. Magali Diaz Moreno. Sylvie Dion. Sylvie obtient son diplôme en cheminement RAC. Joanie Fournier-Brodeur. Cynthia Girard. Aglaé Guénette. Angie Bettina John. Joanie Lacharité-Auger. Gabrielle Lacroix-Côté. Suzy Mathieu. Ariane Metzger. Candy Morin. Joyaillé Rosette Kunga Matano. Olga Pereira. Jade Roy-Leclerc. Lucie Simard.
Sarah Pamela Soto Acevedo. Angelina Théoré. Toutes nos félicitations aux diplômés du DEC et de l'ASC en technique d'éducation à l'enfance. Maintenant à la remise des diplômes en technique de la logistique du transport. J'invite la cohorte à monter sur scène ainsi que sa représentante, Mme Marie-Hélène Ballardy. Tous les diplômés en technique de la logistique du transport reçoivent la certification TIC. Amy Gamble. Lagui Jean-Antoine Aucou. Félicitations aux diplômés en technique de la logistique du transport. J'inviterai maintenant M. Sylvain Martel et la cohorte de technique de comptabilité et de gestion sur la scène. Les diplômés en technique de comptabilité et de gestion reçoivent tous la certification TIC. Evelyne Arsenault. Ethan Bonneau. Jessica Boutin. Mia Forcier. Zachary Jolicoeur. Julien Martel. Julien a été nommé personnalité étudiante de son programme au Gala Reconnaissance étudiante 2023. Daphné Melançon. Marie-Lie Salva. Toutes nos félicitations aux diplômés en technique de comptabilité et de gestion. Accueillons maintenant la cohorte de gestion de commerce ainsi que sa représentante, Mme Stéphanie Hébert. Les diplômés en gestion de commerce reçoivent également la certification TIC. Colin Benoît. «
Joé Couture. Camila Espinosa. Océane Hamel. Cédric Lapierre. Amélie Lemire. Camille Lépine. Patrice Letendre. Emma Nuanovic. Pasquio. Anthony Perrault. Jules Telesinski. Mathis Terrien. Jérémy Villeneuve. Laura Sbinden. Laura a été nommée la personnalité étudiante de son programme au Gala Reconnaissance étudiante 2023. Félicitations aux diplômés en gestion de commerce. À présent, accueillons chaleureusement les tout premiers finissants du Cégep de Drummondville du programme de technique de services financiers et d'assurance, en compagnie de son représentant, M. Julien Masson-Lefebvre. Gabrielle Deblois. Gabrielle Pelletier. Gabrielle a été nommée personnalité étudiante de son programme au Gala Reconnaissance étudiante de 2022 et de 2023. Félicitations à vous pour cette grande réussite académique. Continuons la cérémonie de la remise des diplômes pour la cohorte du programme Gestion des opérations en transport. Je demande à la cohorte de nous rejoindre sur scène. Les diplômes seront remis par Mme Lucie Marcheseau.
Catherine Bédard. Stéphanie Bilodeau. Brigitte Boisvert. Nadim Boudjemaï. Normand Fréchette. Suzanne Peña. Bravo à nos diplômés. Pour la remise des diplômes en comptabilité informatisée et impôts, j'invite la cohorte à monter sur la scène ainsi que sa représentante, Mme Nicole Lafrenière. Sabrina de la Conception. En plus d'avoir complété l'attestation d'études collégiales en comptabilité informatisée et impôts, la prochaine personne recevra également un diplôme en technique de bureautique, coordination du travail de bureau, ayant complété ses formations en cheminement RAC. Anne Lamonde. Félicitations à chacune d'entre vous pour ce succès extraordinaire. Nous allons maintenant remettre les diplômes du domaine de la bureautique. J'invite les cohortes des divers programmes liés à la bureautique à monter sur scène. Les diplômes seront remis par la directrice de la formation continue et du service aux entreprises, Mme Lucie Marcheseau. Notez que tous les diplômés dans ce domaine de la bureautique ont complété leur formation en cheminement RAC. Les premiers diplômes sont donnés aux finissantes du programme Technique de bureautique, coordination du travail de bureau. Amélie Gelot. Stéphanie Roussel. La prochaine diplômée a terminé ses études en bureautique en plus de compléter une spécialisation en bureautique. Nathalie Marin-Bonetti. Les prochains diplômes sont donnés pour les personnes ayant complété une spécialisation en bureautique. Sylvie Bonin. Lynn Lagacé. Félicitations à toutes pour cette réalisation exceptionnelle. Remettre les diplômes du programme Démarrage et gestion de son entreprise, j'invite à monter sur scène la cohorte du programme. J'invite également Mme Lucie Marcheseau à remettre les diplômes.
Lisa Bax. Maryse Côte-Noire. Heidi Hirschberger. Estelle Saint-Pierre. Bravo aux diplômés en démarrage et gestion de son entreprise. Nous allons maintenant remettre les diplômes du programme Gestion des approvisionnements. J'invite la cohorte à monter sur scène ainsi que sa représentante, Mme Marie-Andrée Delinois. Olivier Blouin. Nathalie Bouchard. Judy-Anne Desrochers. Tricia Makanga. Nos plus sincères félicitations aux diplômés en gestion des approvisionnements. Accueillons maintenant sur la scène la cohorte en gestion de groupe et organisation du travail et sa représentante, Mme Marie-Philippe Campagna. Mario Larivière. Mario obtient son diplôme en cheminement RAC. Le prochain diplômé a terminé ses études en gestion de groupe et organisation du travail, en bureautique et immersion anglaise, en plus de compléter une technique d'éducation spécialisée, le tout en cheminement RAC. Alexandre Carlos Lecomte. Nos félicitations à vous deux. J'inviterai Mme Marie-Philippe Campagna à rester sur scène pour accueillir et remettre les diplômes à la cohorte d'agentes en support à la gestion des ressources humaines. Stéphanie Baudry. Nathalie Birtz. Julie Langlois.
Nancy Saint-Pierre. Sabrina Thibault. Nancy Vandal. Nancy a été nommée personnalité étudiante à la formation continue temps partiel au Ghana Reconnaissance étudiante 2022. Félicitations à vous pour ce succès extraordinaire. Finalement, accueillons chaleureusement sur scène la cohorte en technique de l'informatique ainsi que son représentant, M. François Saint-Hilaire. Gabrielle Babin. Jasmin Bergeron-Joubert. Francis Croteau. Chase Hills. Kevin Messier. Jacob Plante Montmini. Félicitations aux diplômés en technique de l'informatique. Ainsi, nous concluons l'appel des diplômés de l'année 2022-2023. Votre persévérance et vos efforts vous ont conduit à ce succès bien mérité. Encore toutes nos félicitations. Le Cégep de Drummondville est extrêmement fier de votre réussite. Nous vous invitons à rester avec nous pour la suite de la cérémonie. Pendant que tous regagnent leur siège, que diriez-vous d'un numéro de danse de la compagnie Danse en équilibre? Alors, place au spectacle! Watch me dance, dance the night away. Love could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I still keep the party running at one year out of pace. Watch me dance, dance the night away. Love could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I still keep the party running at one year out of pace. Watch me. I can dance.
watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I'm one day out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe. Don't you know about me? I could dance. Merci à la compagnie Danse en équilibre, composée d'étudiantes en danse du Cégep de Drummondville. Tous les ans, la Fondation du Cégep de Drummondville remet des prix soulignant l'excellence de diplômés s'étant démarqués lors de leur passage au Cégep. Ce matin, quelques distinctions seront remises. Pour ce faire, j'invite M. Paul Gagné, trésorier à la Fondation du Cégep de Drummondville, à monter sur scène pour la remise des prix, de même que notre directeur général, M. Pierre Leblanc, ainsi que la directrice de la formation continue des services aux entreprises, Mme Lucie Marchesseau. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux exprimer mes plus sincères félicitations puis mes salutations à l'ensemble des diplômés. Je ne peux m'empêcher de penser aux gens qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours. Vos parents, vos conjoints, vos enfants. Bravo, soyez fiers de votre succès. Parce que ça ne vient pas facilement tout ce que vous avez accompli. Ça vient à partir de beaucoup, beaucoup d'efforts. Quand on voit la concrétisation comme ce matin, bien, je pense qu'il faut prendre un temps pour le savourer. Savourez-le. En même temps qu'on se dit ça, ce qui est important, on le savoure. Mais pas trop tard après, il faut se remettre à la tâche pour vaquer aux prochains défis qui vont se pointer à nous. Bravo encore une fois, tout le monde. Salutations aux différents dignitaires. J'aimerais revenir sur le mot inspirant de notre directeur général du Cégep, M. Leblanc. Quand il nous disait dans les trois vœux qu'il nous avait partagés, « Soyez reconnaissants, reconnaissantes », j'aurais le goût qu'on parle au « nous ». Soyons reconnaissants, reconnaissantes. Faisons-le toujours dans une volonté de ne pas avoir de retour en fonction de la reconnaissance qu'on se donne. Et quand on est dans cette vibration-là, dans ce continuum-là, on reçoit toujours plus que ce qui était souhaité. Donc, faisons-le sans aucune attente. On va recevoir l'usufruit de ça et les bontés de ça au centuple. Donc, encore une fois, Pierre, ce mot que tu as partagé ce matin, pour moi, était très, très inspirant. Puis j'ose croire qu'il animait le parterre qu'on est ici ce matin de la même façon. Monsieur Carrier, j'aurais le goût de faire une petite blague en fonction de votre mot que vous nous avez partagé. Vous disiez tantôt que votre diplôme de tous les diplômés ce matin, l'ouvrir des portes. Si on se fie à la publicité qu'on le voit à la télévision, il ouvre pas la porte du frigo, par exemple. Ce matin, je m'en venais ici puis je me disais, je suis content d'être présent parmi vous à titre de membre du conseil d'administration de la Fondation. Mais quand je vois le parterre que nous sommes, que vous êtes, je suis plus que content, je suis choyé et privilégié. Vous savez, la fondation du Cégep de Drummondville n'est pas une fondation qui est riche en argent, mais elle est riche de cœur. Et à partir de cette dimension-là, ce qu'on veut être pour vous, c'est des partenaires pour pouvoir vous accompagner dans votre développement académique
mais aussi à vous aider à vous forger comme personne, comme professionnel futur. Vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Oui, on peut s'inspirer de gens qui passent avant nous, mais on veut aussi s'inspirer de gens qui vont nous suivre. Moi, je suis rendu dans un bout de ma vie professionnelle où ce que je fais toujours la même blague, je suis rendu au-dessus de la montagne puis je commence à la descendre. Mais on a besoin de personnes comme vous pour nous inspirer. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous allez nous influencer aujourd'hui et pour le futur. Bien sûr, lorsqu'on parle d'une fondation, on parle beaucoup du monétaire aussi. Oui, une fondation, ça va ramasser des sous. Année après année, la Fondation du Cégep de Drummondville remet quelques 70 000 $ en bourse. C'est important pour nous de le faire. On travaille activement en lien avec la campagne d'agrandissement du Cégep. On s'est donné des objectifs qui étaient ambitieux dans notre réalité de fondation, d'aller chercher 2 millions de $ dans la communauté. On est rendu à un niveau, je ne me trompe pas, aux alentours d'1 400 000 $ de récolté. On veut continuer notre démarche. C'est important pour nous de faire en sorte que Drummondville, qui est une ville très, très active, très, très dynamique, de faire en sorte qu'on se donne des équipements, une institution de premier plan quand on pense à notre cégep. Et c'est ce qui nous anime à l'entour de la table lorsqu'on discute au niveau du conseil d'administration de la Fondation du cégep de Drummondville. Donc, on va continuer à travailler activement par rapport à cette dimension-là. Mais comme je vous disais tantôt, n'étant pas une fondation riche, on est en argent, nous sommes une fondation riche de cœur. Comme je vous disais, oui, on veut participer à votre parcours académique, mais on veut avant tout vous forger comme personne, comme professionnel. Donc, on va poursuivre notre mission avec beaucoup, beaucoup de confiance, beaucoup, beaucoup d'acharnement pour faire en sorte qu'on est pertinent pour vous, pertinent pour les prochains étudiants qui vont suivre au cégep, pertinent dans votre parcours autre que vous allez faire dans votre vie, que ce soit universitaire, que ce soit professionnel. Pour nous, c'est important de se donner ce levier-là. Oui, pour nous comme société, mais pour vous comme personne. Donc, ce matin, je vais revenir, j'ai le privilège de remettre deux bourses en lien avec la volonté puis l'engagement qu'on a, la Fondation. La première bourse que je voudrais remettre, c'est la bourse du prix d'excellence à la formation continue. Elle consiste en une bourse de 500 $ récompensant d'excellents résultats scolaires. Cette étudiante est diplômée en gestion des approvisionnements et son nom est Mme Julianne Desrochers. Privilège que j'ai, c'est de remettre une autre bourse. Et je poursuis avec la personne qui a eu la meilleure moyenne générale de l'ensemble des formations techniques. Ce prix est accompagné d'une bourse de 1 000 $. Le grand prix étudiant à la formation technique est décerné à une étudiante en technique d'éducation à l'enfance. Il s'agit de Mme Amélie Meunier. Thank you.
Je remercie M. Gagné pour sa présence. Merci à la Fondation du Cégep de Drummondville. M. Gagné, c'est un privilège pour la Fondation d'avoir M. Gagné sur son conseil d'administration, une personne de cœur extrêmement engagée. Vous avez pu le constater d'ailleurs. C'est une tradition chez nous. Chaque année, nous tenons à offrir l'opportunité à un membre du personnel enseignant de pouvoir s'adresser à vous, chers diplômés, et ce, afin de reconnaître toute l'importance qu'ils ont eue dans votre réussite. Permettez-moi de vous présenter Mme Nadine Bernier, enseignante au département de technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment, qui a un message très important à vous livrer. Assez haut, hein? J'ai rarement enseigné devant une aussi grande salle de classe, donc on dirait que j'ai le pouls qui est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. Donc, bonjour à vous tous, mais particulièrement à vous, chers diplômés. C'est un privilège de me retrouver devant vous ce matin. Je me présente Nadine Bernier. Je suis fébrile de vous raconter tout le chemin parcouru afin de réaliser mon rêve, celui de devenir enseignante. Je souhaite que plusieurs d'entre vous se reconnaissent à travers cette histoire qui se veut inspirante. Voici donc mon histoire. Dès mon jeune âge, j'ai toujours réussi à l'école, mais ce n'est pas moi qui ramenais les plus belles notes à la maison. Je devais travailler deux fois plus fort que certaines personnes pour réussir. Mais je me tenais toujours près de la fameuse moyenne de classe où l'on aime tous bien se comparer, n'est-ce pas? Sur mon bulletin, la seule chose dont je me souvienne, c'est qu'il était écrit « Votre fille parle trop ». Je vous confirme que ça ne s'est pas réglé en vieillissant. Lorsque j'ai fait mon entrée au cégep de Drummondville dans la technique d'évaluation et d'estimation en bâtiment, j'entrais dans le monde adulte. Je me sentais enfin libre. La première année, j'étais vraiment assidue et motivée. Cependant, ça s'est gâché considérablement les années suivantes. Je m'absentais souvent de mes cours. C'était plaisant. Les parents n'étaient pas mis au courant de nos absences. Je flânais avec des amis. Au lieu d'aller à mes cours, je jouais aux cartes et je fumais au Café Clovis. Oui, oui, c'était permis. Ah, les années 90! Il s'agissait d'un manque flagrant de maturité de ma part. J'ai accumulé les échecs et au fil des sessions, vous comprendrez bien qu'on a dû m'expulser pendant un an du collège. Je peux vous confirmer, et ce avec le recul, que ça me fait le plus grand bien. Un an à temps plein, dans une chaîne de restauration rapide, j'étais déterminée plus que jamais à revenir. Il ne me manquait plus qu'un cours de maths pour obtenir enfin mon diplôme. Le fameux cours de maths, calcul, différentiel et intégral. À main levée, qui sait de quoi je parle? Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon père me motivait en s'asseyant à mes côtés pendant des heures chaque semaine afin de m'aider avec mes exercices. Papa avait beaucoup de facilité avec les maths. La journée de l'examen final, j'étais en mille miettes. On venait de m'annoncer que mon père avait un cancer en phase terminale et qu'il ne lui restait que quelques semaines parmi nous. J'ai fait mon examen en pensant à lui et à tous les efforts que l'on avait mis ensemble. Lorsque j'ai reçu mon bulletin par la poste, je n'ai pas eu la chance de montrer à papa ce bout de papier si précieux, car il nous avait déjà quittés. Mais je crois fermement qu'il était là et fier de sa grande. J'avais enfin réussi. Diplôme en main, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en évaluation dans des bureaux d'évaluateurs agréés et en estimation pour des entrepreneurs spécialisés en béton, structure d'acier, structure de bois et génie civil. Pour ensuite poursuivre comme technicienne en travaux pratiques au cégep dans cette même technique pendant 4 ans. J'ai aimé aider les enseignants dans la préparation de leurs cours, mais j'ai surtout adoré le contact humain avec les étudiants.
Métier gratifiant, c'était j'étais une oreille attentive, on me demandait régulièrement conseil, on me disait à quel point j'étais patiente et d'une clarté dans mes explications. Plusieurs étudiants me posaient souvent la question « Nadine, pourquoi tu n'enseignes pas? » Léger détail, il me manquait un baccalauréat. Je vous mets en contexte. À l'époque, je suis plus jeune. J'ai 37 ans, j'ai une belle famille recomposée de 4 enfants. Je suis certains au primaire, d'autres au secondaire, des enfants en sport-études avec des tournois la fin de semaine, du soccer, du hockey, du handball, sans oublier que mon chum termine sa maîtrise, son MBA. Ma vie est plutôt tranquille. 2 ans plus tard, et oui, cette petite voix l'a emportée sur la raison. Me voilà inscrite à l'ETS, École de technologie supérieure, en génie de la construction. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Qui aurait cru que je pouvais réussir à l'université avec mon parcours collégial chaotique? Après avoir terminé un premier certificat universitaire, je pose ma candidature pour enseigner en TEEB. Certaines personnes ont douté de moi. Mais je voulais leur démontrer que j'étais en mesure de relever ce défi. Je voulais tout donner pour être à la hauteur. Merci à l'équipe des RH pour cette belle marque de confiance. Je débutais l'enseignement, un cours à la fois, j'étais aux oiseaux. Je me réalisais enfin et je me levais chaque matin avec une énergie débordante et une passion qui m'était jusqu'à ce jour inconnue. L'enseignement, pour moi, ce n'est pas juste un transfert de connaissances. C'est d'être à l'écoute, créer des liens et un environnement de confiance. C'est de partager ma passion et d'y mettre tout mon cœur. Mon but ultime étant d'amener mes étudiants à se dépasser et enfin les voir réussir. Je suis persuadée que je suis une meilleure enseignante grâce à mon parcours plus difficile comme étudiante. Je voudrais à mon tour vous dire merci à vous, chers étudiants curieux, allumés, motivés, avec un grand désir d'apprendre. Vous rendez nos cours meilleurs grâce à votre participation. N'hésitez jamais à revenir nous voir. Vous serez toujours les bienvenus chez vous. Certaines personnes ne connaissent pas l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur notre parcours, mais ils contribuent à notre réussite. Écoutez leurs encouragements. Je vous invite en sortant tout à l'heure à dire à vos proches à quel point vous êtes reconnaissants et qu'ils ont fait une différence. Je veux tout de même profiter de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont cru en moi. À toi, maman, qui m'a appelée sur la route pendant plus de 8 ans, à chaque fois que je montais à Montréal, pour assister à mes cours, pour me dire à quel point tu étais fière de moi. Tu as été mon phare durant mon parcours universitaire. Ma sœur, ma moitié, ma confidente, une chance que je t'ai. Mes enfants, ma fierté, un énorme merci pour votre support et votre compréhension. Et à toi, mon chum, merci d'être dans ma vie, encore dans ma vie, et d'embarquer dans tous mes projets. Tu m'as toujours tenu la main. Du fond du cœur, à vous tous, un immense merci. J'ai terminé mes études universitaires à temps partiel en 8 ans et demi, 900 allers-retours Montréal, soir, matin, fin de semaine, beau temps, mauvais temps, sans oublier quelques nuits blanches. J'ai persévéré et j'ai jamais abandonné, même si parfois j'en avais envie. Vous êtes sûrement d'accord avec moi, on oublie très rapidement tous les sacrifices que ça implique. Ce retour aux études a changé ma vie et aujourd'hui, avec le recul, je referais le même choix. Je voulais être un modèle inspirant pour mes enfants. À toi, mon grand Benjamin, tu pensais que je t'avais oublié, hein? C'est toi aujourd'hui qui nous rend fiers à ton tour, ton père et moi. Continue de t'accomplir à l'université. L'avenir t'appartient. J'enseigne depuis plus de 10 ans avec la plus belle équipe de profs. Jeune, dynamique, créatif, avant-gardiste, ma deuxième famille.
On connaît tous un prof qui a marqué notre parcours. J'ai choisi le métier d'enseignante, comme vous tous ici présents, pour participer à la construction de la société de demain. En terminant, je veux que vous me promettiez une chose. Croyez toujours en vous, car tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, et ce, à tout âge. C'est Xavier Dolan qui le dit. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Voyez grand, l'avenir vous appartient. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par sa force, mais par sa persévérance. Il n'y a aucun parcours identique ni parfait. On trace chacun sa propre histoire. Merci beaucoup. Bravo, Nadine. Tu vas peut-être avoir besoin de tes lunettes, par contre, ma belle. Bravo. Beau témoignage. Très inspirant. Donc, nous allons maintenant recevoir notre dernier orateur, mais non le moindre, puisqu'il s'agit d'un de vos pairs, d'un étudiant qui est nouvellement diplômé en technique de comptabilité et gestion, accueilli chaleureusement Julien Martel, récipiendaire du prix Personnalité étudiante de son programme en 2023. Bonjour tout le monde. Chers parents, amis, enseignants, membres du personnel et de la direction, et tout particulièrement, chers diplômés, c'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de vous adresser un bref mot. Je me souviens de nous, il n'y a pas si longtemps, à notre première année au cégep. Je me souviens de nos petites têtes anxieuses quand nos enseignants nous demandaient d'ouvrir nos caméras, pour ceux qui l'ont vécu, de la panique dans nos yeux en remettant un travail de session à minuit moins une. De nous, nerveux, dans cet environnement jusqu'alors inconnu. Au cours des dernières années, on a grandi. On a acquis des compétences qui nous serviront tout au cours de nos vies personnelles et professionnelles. On a rencontré des personnes inspirantes qui nous ont aidés à définir qui on voulait devenir. On a évolué en tant qu'individu et en tant que communauté. À coup d'efforts et de persévérance, on a atteint le succès. Si bien qu'on est arrivé au bout de notre route ensemble au Cégep de Drummond, à une intersection de nos vies où nos chemins prennent des voies différentes. Pour certains, c'est la voie du marché du travail. Pour d'autres, le chemin se continue sur les bancs d'école, mais on vit tous, une fois de plus, ce grand changement qui nous jette dans l'inconnu et qui nous sort de notre zone de confort. Ne craignez pas le changement, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Notre monde est une série de changements passés, présents et à venir. Foncez quand une porte s'ouvre à vous. Prenez action pour vos convictions. Ayez l'audace d'être les initiateurs du changement. Comme la chenille qui devient papillon, c'est à notre tour de déployer nos ailes. Félicitations pour votre diplomation et bon succès dans vos projets à venir. Merci beaucoup, Julien. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Alors, je vous laisse avec notre orchestre maison pour le numéro artistique Miami d'Ariane Moffat. Beaucoup trop tard, ça fait mille ans, on s'est connus enfant.
est parti. Tu dois me croire si je te dis que notre histoire ne peut finir ainsi. En théorie, on a une vie de tout est plus grand que la somme des parties. Tu dois me croire, je t'en supplie. Non, notre histoire ne peut mourir ici. Tous ces étés à partir en cavale, juste nous deux dans les rues de Montréal. Tous ces moments de jeux décadents au lendemain plus qu'incertain. On s'est donné à l'autre sans compter. Tu as révélé des bouts de moi soupçonnés. On a de la chance, on est encore sur pied. Je t'en prie, ne nous laisse pas tomber. Plus grand que la somme des parties. Tu dois me croire si je te dis que notre histoire ne peut finir ainsi. En théorie, on n'a qu'une vie. Le tout est plus grand que la somme des parties. Tu dois me croire, je t'en supplie. Non, notre histoire ne peut mourir ici. Abandonné, ami, ami. Abandonné, ami, ami. Le tout est plus grand que la somme des parties. Tu dois me croire, je t'en supplie. Non, notre histoire ne peut mourir ici. En théorie, on n'a qu'une vie. Le tout est plus grand que la somme des parties. Tu dois me croire, je t'en supplie. Non, notre histoire ne peut mourir ici. Oh, oh, oh. Abandonné. Oh, oh, oh. Ami, ami. Oh, oh, oh. Abandonné. Bravo à nos musiciens, musiciennes, tous étudiants du Cégep. Une bonne main d'applaudissements pour Renouka Lavallée à la basse, Thomas Lagacé à la batterie, Mathieu Savoie à la guitare et Marie-Ève Caron au clavier et au chant. Vous avez fait un travail remarquable. Bravo! C'est ce qui met fin à cette cérémonie de remise des diplômes 2023. J'en profite pour remercier les productions hors scène, de même que nos techniciens à l'éclairage et au son, ainsi que le comité organisateur de cette belle célébration. Vous êtes invités à fraterniser au Café Clovis, où thé et café sont à votre disposition. Un espace photo a été créé spécialement pour vous dans l'espace cafétéria. N'hésitez pas à immortaliser ce moment, c'est votre moment. Vous pourrez voir et revoir la cérémonie en intégralité sur le compte YouTube du Cégep de Drummondville. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant poser le geste symbolique puisque vous êtes officiellement diplômé du Cégep de Drummondville. Alors, Monsieur Leblanc, à vous de donner le signal. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Attendez. Attendez le 3, 2, 1. Alors, je vous déclare fièrement diplômé 22-23 du Cégep de Drummondville. Donc, dans 3, 2, 1, on lance le mortier! I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? Cause I love them so, yeah. Looking back on when I was a little nappy, heavy boy. What would be my door? Yeah, even though we sometimes would not get a thing, we were happy with the joy that they would bring. Drinking out the backyard, to hang out with two some friends of mine. Whoa, greeted at the back door.
Chez nous à la France, c'est toujours là dans ma tête quand je pense. Je suis pas bon dans les autres fois, et c'est tant mieux pour toi. J'ai jamais eu autant d'espoir.